Salut tout le monde, c'est Gadius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 44e épisode de Pokémon version cristal liquide. J'espère que vous allez bien. Non, je l'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà dit, bah oui, je l'ai déjà dit. Enfin, je sais même plus si je l'ai dit, mais en tout cas, je vous le redis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va affronter Auguste, le champion de l'arène de Cramoisil, qui visiblement a cramé, comme son nom l'indique. Et c'est une petite arène. C'est, disons, une taille de toilette et de salle de bain mélangée. Vous savez quand vous avez les toilettes avec la salle de bain, c'est un peu la même chose. Enfin, je sais pas, il doit avoir faim, non? Peut-être qu'on va lui donner quelque chose à manger. Oh ah! En tout cas, il est en pleine forme. Mon arène à Cramoisil a brûlé. Mes Pokémon de type feu et moi sommes sans foyer à cause du volcan. Oh, je suis de retour dans les affaires en tant que champion d'arène ici dans cette grotte. Si tu peux me battre, je te donnerai le badge. Ah, tu devrais prendre des anti-brûles. Petit sens de l'humour. Auguste, ça ne me fait pas rire. Mac, c'est qui ça? Ah, Volcaropod. Let's go, Suki! Let's... Psychic. Psycho... Et psycho. Oh. Psycho une seconde fois. Et Draco souffle. Ensuite, Magmar. Bon, écoutez, on va amener Tartare. Allez, cascade. Oh, Zénith. Eh ben, c'est nickel, ça. Y a rien à dire. Et Galopa. Bon, il en a que 3. Bon, c'est facile. Par contre, il me fait Lance-Soleil, pareil. Non, mais jamais ce Pokémon sortira Lance-Soleil. Voilà, vive attaque. De toute façon, t'es plus rapide que moi, hein, Galopa. Dans tous les cas. Il me reste un PV. Enfin non, peut-être pas un PV, mais quelques PV en tout cas. Voilà, on va plonger. Il se cache sous l'eau. Et il en sort. Bien joué. Plutôt expéditif. Impressionnant, j'ai brûlé. Tu as gagné. Tu as bien mérité le badge volcan. Oula, ah bah lui il vient de. Il était pas là tout à l'heure. Hein. Sinon je l'ai pas vu. J'ai perdu cette fois, j'ai en effet perdu cette fois. Mais je gagnerai la prochaine fois. Quand je reconstruirai mon arène à Cramoisil, nous ferons une... Yo, c'est déjà fini? Désolé, désolé. L'arène de Cramoisil est... S'en est allée, enfin, a été détruite. Donc je ne savais pas où te trouver. Mais, tu es plutôt fort, même sans mes conseils. Je savais que t'allais gagner. Ah ok, il est venu juste après, d'accord. Bon ben voilà, hein, on va arrêter là. Non, je plaisante. On va retourner à la vraie Cramoisil, la vraie île Cramoisil. Et est-ce que je peux utiliser plongée maintenant ou toujours pas? Déjà, on va voir si Axel est Blue encore. A priori, il devrait être parti. Non, toujours là. Non. Pardon. Non plus. Ouais, où are you? Tu me l'as déjà dit, ça. Mince. Non, c'est pas grave. Oui, ben non. Moi, j'ai envie de faire plonger. Donc, je vais faire plonger. C'est pas juste si je peux pas. Hein.
Bon, sac. Ouais, j'ai acheté des packs repousse aussi. J'ai pas trouvé des super repousses. Où je suis allé, en tout cas. Putain, il y a quoi là? Ah non, en haut, il y a quelque chose. Alors, est-ce que je peux plonger maintenant ou toujours pas? Non, je peux pas. C'est hallucinant. Pourquoi je peux pas? S'il y en a qui savent dans les commentaires, laissez-moi un commentaire instructif. Et dites-moi un petit peu si vous savez où est-ce que je pourrais l'obtenir. Enfin, où est-ce que je pourrais le faire fonctionner parce que je l'ai. Enfin, bon, là, il n'y est pas parce qu'en fait, c'est pas une CS dans Rougefeu, c'est normal. Bon, maintenant, il faut faire quoi? Je suis paumé, moi. Non, c'est pas au bourg-palette que je vais arriver à quelque chose. Ça m'étonnerait. On va plutôt vérifier. On va plutôt vérifier où. Vous croyez que. Eh non, je peux pas aller à la ligue forcément. On va quand même voir si peut-être que Blue il est allé entre temps. Peut-être elle a entre temps dans l'arène. Qui sait? Non, visiblement pas. Il me faut ce dernier badge là, ce huitième badge. Ok, ouais, il est souvent absent. J'aurais bien la ligue. Juste pour voir un petit peu. On y va à bicyclette. Parce que ça va être long. Voilà. Mince. Ah le. Ah oui, c'est vrai, le mont silver, le mont argent. Ah mais c'est. Mais je suis bête, mais c'est vrai que c'est la même ligue. Pff, dans ma tête c'était une autre ligue. J'ai déjà affronté une fois, mais. Est-ce que je. Oui, bah ouais, forcément je pourrais la refaire une autre deuxième fois, mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Je sais pas. À mon avis, je vais aller un petit peu regarder sur internet parce que là, je suis un peu paumé. Ah bah oui, pourquoi j'ai pas fait psycho? Je me suis amusé à faire vol. Electabuzz. 4 Pokémon. Allez, Psycho. Ok. Et Draco souffle, et non. Il va les soigner forcément. Ah là 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 là. Faudrait que je tourne aussi du XD, j'ai toujours pas poursuivi. Tout simplement parce que je peux pas tout faire. Dès que j'ai des moments, je fais. Bon, là, je suis un peu captivé par Liquid Crystal parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué également et ça m'intéresse pas mal. Contrairement à XD où, vous savez, c'est émulateur. Donc, c'est souvent. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus d'animation, c'est très long. C'est pour ça que j'ai pas repris.
Je reprendrai, mais je pense plutôt au mois d'août. Je pense pas que là, d'ici le mois d'août, je pense pas reprendre. Ou peut-être en direct, voilà. Lequel est plus plausible, ça peut être en direct. Ou sinon, peut-être un épisode comme ça. Pour vous faire patienter avant le mois d'août. Mais j'ai commencé trop de séries. Et le truc, c'est qu'après, il faut en finir parce que sinon. Et surtout que Liquid Crystal, alors là. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que ce combat est long aussi? Charmina. Ouais, cascade. Non, non, je suis KO là. C'est impossible que je survive. Ah oh, si. Comment ça se fait? Je peux pas perdre 12 PV quand même. Bah si, j'ai perdu 12 PV. Je suis sûr d'en perdre pile 12. Voilà. On va utiliser Horreur au moins d'attaque en premier. Voilà. Et en plus, il va monter au niveau 65. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, avec ma bicyclette, là, j'ai pas l'air bête. Là, y a rien. Et voici la ligue. Côté droit. Ce chemin mène au mont Argenté. Bah oui, il me dit tu y verras des Pokémon effrayants, mais d'accord. Ah ici je passe par là. Route 26. Et je suis à Johto. Je pense. Ah non. Non, je suis. Ah oui, c'est vrai que là on est encore à. Ouais. À Kanto, exact. Je sais pas comment il a fait ce changement de carte, mais c'est impressionnant. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Vous savez quoi? On va se rendre à Cramoisil. Je vais chercher un petit peu pour savoir, parce que là j'ai aucune indication. Même Axel il sait pas, il me dit la team Saturn doit être là. Je pense qu'il y a un problème avec plonger. Normalement, je devrais plonger. À mon avis, il se cache en dessous. Je pense que c'est ça. Mais là, j'arrive pas à plonger. J'ai un souci. Donc, on se retrouve très vite. Hein. Ouais, donc, creux. Alors. En fait. Vol. Ça peut sembler débile. Hein, mais on n'est pas allé ici, alors. Pourquoi pas qu'il y a quelque chose à faire. On va soigner nos Pokémon, déjà. Voilà. Et ensuite, on va aller là, vers le mont Sélénite. Non, ça doit être là. Vers le mont Sélénite. On l'a jamais fait ça. Comme je l'ai fait dans Rouge Flamme, dans ma tête, c'est déjà fait. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, les combats. Basta. Basta maintenant. Hop là. Oh. Mais descend, voilà. Ah, par contre, lui, il est malin. Il s'est bien mis en plein milieu. Au moins, il va tous les voir. Bon, pas le choix. On n'est pas mal passé par là. On va faire tout le mont Sélénite. Alors, ce que je vais faire pour essayer de pas être... Enfin, pour pas que ce soit un peu long pour vous, c'est que je vais... Non, attendez, c'est trop risqué de changer. Je vais faire ça en plus... Enfin, je vais couper, en fait. Dans le montage, au montage, je vais un petit peu couper pour que ça soit plus rapide. Donc, on va faire en... Vous voyez, en quelques... Enfin, quelques étapes, des petits passages pour vous montrer petit à petit ce que je fais, mais pas tout.
Parce que je sais que c'est long, c'est fatigant, on n'a pas envie de tout voir. Bon. Donc je vais essayer de couper. Un peu comme ces combats là, qu'à chaque fois ils utilisent tout le temps. Mais alors il n'y a pas une seule fois où ils n'utilisent pas un objet pour se soigner. Là c'est la guérison. Juste comme il est bon en défense spéciale, ben lui... Eh oui, mais c'est son truc là. Son calm mind là. Tu lui fais ça. On va lui faire vol, il va être KO. Fait sa plénitude, voilà, c'est ça. Quoi, il a réussi à rater. Ah bravo. 95 de précision. 90, je sais plus. Bon, 95 je crois. Il a pas mis KO. Attendez, il vole, c'est bien. Pff, c'est quoi ce truc? C'est bien physique ce truc. Bon, on va changer puisque là on est mal barré. Je vais amener. Peut-être faire psycho. Bah écoutez, Mangriff va peut-être faire quelque chose. Plus tard. Ok. Ah, dommage. Oh, je me prends une piquette là contre ce garde-voir mal. Voilà, maintenant je peux amener horreur. Alors, Brazigali, encore une fois, te revoilà. Et non. Et voilà, c'est bon. Plus de guérison, plus d'objets soignants. Plus rien. La forêt est sombre. Il n'y a pas de chemin. Pourquoi il dit ça? C'est pas une forêt, ça. C'est une forêt, ce truc? Ah oui, c'est peut-être une forêt. Just go up the... C'est un combat. Un acrobate. Ah non, un pyromane. Fire Brother. Burt. Bon, toi, t'es KO. Bon, je sais. Voilà, je vous l'annonce. Si j'avais pas regardé sur internet, je sais que j'aurais pas pensé à ce qui va se passer. Maintenant, je le sais. J'avais complètement oublié. Mais en effet, il y a quelqu'un. Qu'on va voir là. Donc ça va être important de se soigner. Wow, c'est chaud. That's hot. Potion max pour toi déjà. Et ensuite un rappel, ça serait cool. Pas de rappel. Ah mince, pas de rappel. Bah tant pis pour mon griffe alors. Allez, on va mettre un petit peu d'effusion, ça fait longtemps. C'est parti. Attendez, il y a peut-être des objets là. Non. Ça faisait longtemps, Nobby.
pensais t'avoir dit que je ne suis pas intéressé. Scum, c'est, je sais pas, c'est une peste, un idiot comme toi maintenant. Enfin, ou un lâche, non pas un lâche, mais un nul. J'ai d'autres choses plus importantes à m'inquiéter, comme me préoccuper de la Team Rocket. Mais encore. Je pensais... Attends, I thought about what? Je pensais que je manquais en tant que chef à Team Rocket. Et avec mes Pokémon. Nous sommes venus... Ah oui, avec mes Pokémon et en tant que chef, avec mes idées de chef, j'en suis arrivé à une réponse. Nobby, maintenant, nous te le montrons. Bon, ça va être facile. Quoique, attendez, j'ai 5 Pokémon. Ça va peut-être pas être si facile que ça. Bon, déjà le premier, normalement, c'est bon. C'est dans la poche, voilà. Non, ça va changer. Quoique. Non, on va pas faire le fou, hein. Il nous amène à Ligatueur, pas trop envie de me faire buter. Giga Sensu. Waouh, ça fait mal. Dis donc. Morsure. Waouh. Tout ça pour une simple petite mort. Ah oui, il est niveau 66 quand même. Faut pas l'oublier. Toi, alors, ça serait cool. 65. Bah écoute, tu m'arranges là. Là, par contre, c'est cool. C'est cool parce que je vais le mettre KO. Tout simplement. Bon, là, je sais que je vais perdre des PV normalement à la fin du tour. Non! Alors, on va changer. Mince, j'ai pas vu qu'il allait l'amener. Bon, allez, Suki. Oh, bah, très bien. Psycho. KO. Voilà. Niveau 63 aussi, peut-être. Ah, non. Magneton. Typhlosion. Typhlosion, lance-flamme. Peut-être que là il va nous dire le complot de la Team Saturne ou quoi, ou la Team Rocket peut-être. Normalement la Team Rocket c'est balayé, mais bon j'imagine qu'il va y encore avoir quelque chose. La Kazam, non, elle va la garder. On va lui faire séisme, ouais. Ça, c'est rien. Préscience. Voilà. Et non, ce n'est pas suffisant. Tu as gagné juste et droit. Je l'admets. Mais ce n'est pas la fin. Bientôt, quelque chose de très grand arrivera. Just wait and see. Attends et tu verras. Je vais être le plus grand... Ouais, bon, il nous l'a répété 30 fois. Hein. Non, le plus grand chef de tous les temps. Parce que ces mecs sont derrière moi. La Team Rocket est derrière moi. Et tout le monde entier est devant moi. Écoute, Nobby. Un de ces jours, je te prouverai ma bonté en te battant.
Allez, bye, Nobby. See you soon. Alors, c'est parti. Alors, finalement, peut-être que la grotte n'est pas aussi grande que dans Rouge Feu Vert Feuille. Me dis pas que... Non. Bah, c'est par là. Non, je vois où c'est, hein, c'est où il y a la centrale électrique. C'est fou, le mont Sénith, ça a toujours été comme ça. Bon, bah alors je couperai rien. Qu'est-ce que... Attendez. Don't litter. Oh, c'est marrant. Quand on touche quelque chose, la musique s'arrête. Qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? Bienvenue, en quoi puis-je vous aider? Non, c'est bizarre cette musique là. Mais je crois que ça existe aussi dans la version de Crystal. Enfin, Hard Gold Soul Silver. Il me semble bien qu'il y ait quelque chose de ce genre. Non. Pas de réponse, je cherche objet. Oh salut! Je cherche des fossiles dans cette grotte. Tu vas entrer dans cette grotte alors? Bah non, c'est une blague. Ah oui, j'avais pas vu qu'on pouvait aller en bas. Calcium. Oh, c'est la caverne d'Ali Baba. Mince! Je comprends rien. Reviens me voir plus tard, ça veut dire qu'on peut plus passer. Bon bah on ressort là. Ah attendez, il y avait une grotte que je voulais voir la dernière fois. Vous savez, celle qui en... Ah mais non, c'est la route 4, c'était la... Je suis perdu, moi, dans ma tête. La route 4, c'est celle de... Ben, pour me... qui mène à Azuria. Donc c'est nickel. On est sur le bon chemin en fait. Non, dans ma tête c'était la route de la centrale. Oh, il a raté. 9 chances sur 10 de réussir et monsieur rate. Et voilà, il se prend une fatal foule. Évidemment. Là. Bon, là, il n'y a rien. Là. Que dalle. Ouais, non, toi, j'ai pas envie de t'affronter. Alors, c'est pas que t'es méchant ou quoi, mais j'ai pas envie. Picticus, là, c'est pareil. Hein. Par contre, il y a un objet. Ok. Bon, j'ai tout récupéré. Que j'y retourne pas une deuxième fois. Non, bah, y a rien. Donc, c'est bon, il est arrivé à Azuria. Pas maintenant, on fait quoi? Je vais retourner vite fait à Cramoisil. Et si je vois qu'il n'y a rien, bon, on va s'arrêter. De toute façon, dans tous les cas, on s'arrêtera. En tout cas, j'ai 7 badges et le dernier c'est Blue Cramoisil. Moi, je pense que je suis persuadé qu'il faut plonger. Pas possible que... Non, regardez, c'est abruti, ils font rien. Non, 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 il faut plonger, je sais pas pourquoi, je peux pas. Je vais essayer de résoudre ce petit problème. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi
ce 44e épisode, il me semble, de Pokémon version cristal liquide. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'espère que vous l'avez apprécié en tout cas. Et puis, salut tout le monde!